C'est la reprise des questions d'actualité au gouvernement. Oui. Ça commence à quelle heure les QAG? Les questions au gouvernement QAG, ça commence à 15h. C'est une séance que je suis très content de vous montrer sur Twitch, parce que ça fait 7 ans que je fais ça. Historiquement, ça a été ma première émission sur Twitch, la séance des questions d'actualité au gouvernement, que j'appelle QAG. Je sais que vous êtes très nombreuses et très nombreux à être nouveaux et nouvelles sur cette chaîne, à l'occasion notamment de la présidentielle, etc. Du coup, je suis très content, parce qu'il y en a plein parmi vous qui vont découvrir pour la première fois les séances des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. C'est surtout une séance de l'Assemblée nationale qu'il va falloir que je vous explique un petit peu pour les nouveaux et les nouvelles, avant qu'on en discute. Mettez vos noms sur le tableau, les nouveaux. Ah oui, mettez un petit chevalet sur votre bureau, là, avec votre nom dessus. C'est la rentrée. Du coup, je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, je vais essayer de vous expliquer ce que ça n'est pas, et je vais essayer de vous expliquer en quoi c'est intéressant à regarder. Pour replacer un petit peu dans le contexte global, dites-vous bien que l'Assemblée nationale, nos représentants en démocratie, les gens qu'on a élus en juin dernier, ont pour rôle de faire la loi, ça vous le savez, mais ils ont aussi un autre rôle qu'on oublie souvent, mais c'est le rôle de contrôler l'action du gouvernement. Ça veut dire qu'ils ont tout un tas de techniques qui leur permettent de demander des comptes aux gens qui nous gouvernent. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous faites pas ça? Où est-ce que vous en êtes sur tel sujet? Qu'avez-vous l'intention de faire sur tel sujet? C'est un peu un principe d'entretien d'évaluation. Dans ces missions de contrôle, il y a plusieurs possibilités pour les députés, il y a plein de séances possibles, il y a des auditions en commission, il y a des séances de questions orales, il y a des séances de questions écrites. C'est pas des séances, mais les députés peuvent écrire des questions par courrier aux ministres qui ont l'obligation de leur répondre, ils peuvent faire des commissions d'enquête. Parmi toutes ces techniques possibles, il y en a une qu'on va regarder ensemble, qui s'appelle les questions au gouvernement. C'est une séance. Il y en a une par semaine. Et c'est une séance au cours de laquelle les députés ont la possibilité de poser des questions de vive voix aux membres du gouvernement qui sont présents et qui doivent y répondre de vive voix, des questions sur des sujets d'actualité. C'est pour ça qu'on appelle ça la séance des questions d'actualité au gouvernement. Les députés ont un temps limité pour poser leurs questions et les ministres ont un temps limité pour y répondre. C'est normal que ce soit rapide. Les QAG, c'est pas là pour faire un travail de fond, de rentrer dans la subtilité des dossiers, la technicité et tout. Non, c'est une séance très politique où on pose des questions d'actualité rapidement. On a 2 minutes pour poser sa question, donc c'est un mini-discours que les députés prononcent qui doit recouvrir une question, on y reviendra tout à l'heure. Et les ministres ensuite se lèvent pour aller répondre aux députés qui viennent poser la question. Et pareil, les ministres ont 2 minutes pour répondre. Gardez bien en tête, s'il vous plaît, le fait que le contrôle de l'action du gouvernement ne se limite pas à cette séance. Ça peut vous paraître un peu superficiel, superfétatoire, superflu. Cette séance de QAG, vous pouvez vous dire « mais je comprends pas, ça va super vite, ils rentrent pas dans le détail, c'est de la merde et tout ». Attention, ce n'est qu'une séance parmi plein d'autres qui existent, parmi plein d'autres techniques de contrôle qui existent. Deuxième truc, ne faites pas l'erreur de croire, je sais que ça, on peut tomber dedans au début, c'est normal, que les députés ne font que ça, c'est-à-dire poser des questions. Ce n'est qu'une partie de leur boulot, le reste du temps, ils font la loi, ils font plein d'autres trucs et tout. Voilà, là, vous allez juste voir une séance parmi un milliard sur une méthode de contrôle parmi un milliard. Quels sont les députés qui vont poser des questions? Ce sont des députés de tous les groupes de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, il y a une diversité d'opinions, et le principe des questions au gouvernement, c'est que chaque groupe de députés, donc groupe, je vous ai appris ce que c'était, hein, un groupe de députés, c'est un parti politique de députés, en fait, qui sont d'accord politiquement entre eux. Chaque groupe a un quota de questions à poser qui dépend de la taille du groupe. Plus le groupe est grand, plus ils ont de questions à poser. Plus le groupe est petit, moins ils ont de questions à poser. Comment est décidé l'ordre de parole pour les questions? Au hasard, on s'en fout. Sur quel sujet les députés font ce qu'ils veulent? A priori, cette séance, elle est plutôt faite pour des sujets d'actualité, d'où son nom. Et en fait, les députés font ce qu'ils veulent. Ils peuvent poser une question qui n'est pas forcément d'actualité. Hein. Et puis, les députés, ils peuvent estimer que cette question est importante et que donc elle mériterait d'être dans l'actualité et que donc ils vont la poser. Vous allez avoir des députés qui vont poser des questions sur des sujets d'actualité dans leur circonscription, chez eux. Un député du Sud, du Var, par exemple, va poser des questions sur les incendies, les inondations, parce que c'est un département, malheureusement, qui est souvent touché par les intempéries. Un député qui vient de la Manche va poser une question sur les marins pêcheurs et les négociations avec le Brexit, parce qu'en ce moment, c'est le bordel, les quotas de pêche. Vous allez aussi pouvoir avoir des sujets d'actualité d'ordre national. Des députés vont poser des questions qui n'ont pas de rapport direct avec leur circonscription, mais qui ont un sujet d'actualité, par exemple, la mise en examen du ministre de la Justice. C'est un sujet d'actualité, et les députés peuvent estimer que c'est une question importante, et je vous la pose, et je veux une réponse, etc. Les membres du gouvernement qui répondent sont aussi libres. Les membres du gouvernement, faut bien que vous compreniez que là, ils sont dans une séance de questions, dans lequel des questions vont leur être posées par des députés qui les détestent, et par des députés qui les adorent. Ah oui, alors ça, c'est un truc important qu'il faut que je vous dise. Les membres du gouvernement n'ont pas l'obligation de dire des choses qui vous plaisent. C'est son job, en fait, le membre du gouvernement, il dit la ligne du gouvernement. Et puis, il y a aussi un aspect de débat politique, au sens premier. Vous allez entendre des députés qui vont poser la question au gouvernement « Comment ça se fait que vous êtes pas de gauche ?» Et le gouvernement qui va répondre « Parce que c'est de la merde, la gauche !» C'est leur point de vue, ça peut ne pas vous plaire, mais c'est la ligne du gouvernement qui répond, disant bah, « voilà, la politique du gouvernement, c'est celle-ci. » Vous allez aussi avoir du débat, c'est-à-dire que des députés qui vont reprocher au gouvernement de pas faire assez le programme de leur parti en disant « Ouais, vous auriez dû faire ça et tout. » Et le gouvernement va parfois répondre aux députés, parfois de manière
assez vénère, votre idée c'est de la merde. Me donnez pas de leçons parce que vous n'avez pas de leçons à me donner sur tel sujet, machin, etc. Les députés ne sont pas des journalistes. Quand ils posent une question au gouvernement, ils sont pas là pour attendre les bras croisés, une question un peu naïve en disant « dis donc, on en est où au niveau du chômage et tout ?» Non, les députés sont des hommes et des femmes politiques. Donc quand ils posent une question au gouvernement, c'est pas une question neutre. Jamais, c'est normal. C'est des questions politiques. Donc vous allez entendre des députés qui vont poser des questions sous forme de tribune politique. Donc il y a des gens parfois dans le chat qui vont dire « mais dis donc, elle est où sa question, je comprends pas ?» Mais c'est pas le sujet, on s'en fout, il est pas obligé de poser une question d'ailleurs. Il peut très bien prendre ses 2 minutes de temps de parole pour juste dire « le gouvernement c'est de la merde, parce que vous faites sécher. » Mais du coup, si un député fait ça, bah le ministre qui va lui répondre, il a le droit de prendre le micro pendant 2 minutes et de lui répondre bah ce que je fais c'est vachement bien, ce que vous dites c'est de la merde et votre parti il est tout caca. Vous allez aussi entendre des députés de la majorité poser des questions pour dire que le gouvernement c'est génial ce qu'il fait, tout est formidable. Ah j'adore. Bon, vous pouvez trouver ça nul à chier comme question, mais le fait est que c'est une question et que ce député n'a pas plus ou moins le droit de poser cette question qu'un autre député d'opposition qui dit le gouvernement c'est tout caca. Par ailleurs, vous allez voir aussi les députés au cours de cette séance s'exprimer de manière assez sonore pour leur approbation et leur désapprobation. C'est normal, ça aussi ça fait partie du jeu, enfin du jeu, le mot jeu est pas le bon parce qu'il y a un côté ludique alors que c'est pas le cas, mais du jeu démocratique et parlementaire, les députés gueulent, les députés applaudissent, les députés sont pas contents, les députés huent, les députés interpellent à haute voix, etc. On peut en discuter si vous voulez parce que ça envoie une mauvaise image du parlement, etc. On a l'impression que c'est une cour de récré ou c'est un théâtre, etc. C'est normal, c'est des critiques normales et habituelles de la vie parlementaire. Je les défendrai un peu en vous rappelant que c'est un peu leur rôle et que les députés qui sont pas d'accord avec le gouvernement ou les députés qui sont d'accord avec le gouvernement lorsqu'ils applaudissent et lorsqu'ils gueulent, etc., c'est souvent que c'est leur conviction profonde, c'est leur conviction personnelle profonde. Quand vous entendez un propos avec lequel vous vraiment vous avez envie de hurler, bah c'est normal que vous disiez mais n'importe quoi. Ça fait partie du truc. Nos députés sont pas élus pour rester les bras croisés poliment comme ça. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît ? Non, nos députés, ils ont un mandat du peuple qui leur est donné, et parfois, le mandat consiste effectivement à bousculer, à gueuler, à se réactiver, etc. Vous allez voir les députés, lorsqu'ils posent des questions au gouvernement, les députés, ils ont une feuille, en général, sur laquelle ils ont écrit leurs questions. Donc, ils lisent une feuille en disant « Monsieur le ministre des Transports, comment ça se fait que l'avion, ça pollue, tout ça, machin, etc. » Ok, bon, c'est normal, ils préparent leurs questions, ils préparent leurs séances, etc. En plus, comme les députés savent qu'ils sont en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, ils ont quand même envie que ça présente bien, etc. Donc, ils répètent un peu avant. Tout, c'est normal. Mais vous allez aussi voir les membres du gouvernement quand ils répondent aux questions, ils ont aussi une petite fiche dans les mains et ils répondent à la question avec une réponse préparée. Et du coup, c'est normal, il y a des gens qui se disent mais attends, est-ce que ça veut dire que le gouvernement, il a accès aux questions avant qu'elles soient posées ? Il faut savoir un truc, c'est que les députés, c'est eux les patrons. Le gouvernement est soumis au parlement. Les députés sont libres, s'ils le souhaitent, de donner leurs questions à l'avance au gouvernement s'ils en ont envie. Il y a certaines questions que le gouvernement a à l'avance. C'est logique, c'est les questions qui sont posées par les députés qui soutiennent le gouvernement. Si vous soutenez le gouvernement, vous voulez pas le piéger, vous voulez pas le mettre dans la merde. Donc vous prévenez avant le gouvernement que vous allez leur poser une question sur tel sujet pour qu'ils préparent une bonne réponse. Parfois même, il y a des ministres qui demandent à des députés de la majorité « Est-ce que tu pourrais pas me poser une question, s'il te plaît ? Ça me permettrait de présenter ma nouvelle réforme, mon nouveau truc. » Ça fait partie du jeu parlementaire aussi. Parfois, les députés d'opposition le font, non pas parce qu'ils veulent aider le gouvernement, bah non, ils sont d'opposition, ils veulent pas l'aider, mais par contre, ils veulent avoir une réponse précise. Donc, ils envoient avant au gouvernement la question, voire même, ils leur envoient pas le texte, ils leur disent juste cet après-midi « Monsieur le ministre, je vais vous poser une question sur tel sujet, j'attends une réponse. » À l'inverse, il y a des députés qui disent « Niquez-vous, la question, vous la découvrirez en live. Si vous avez pas de réponse, c'est votre problème, vous aviez qu'à avoir une réponse, c'est votre boulot, vous êtes le gouvernement, et c'est un scandale que vous ayez pas de réponse d'ailleurs, parce que le sujet est important, machin. » Ok ? Est-ce que le gouvernement a le droit de ne pas répondre du tout ? Non. Le gouvernement n'a pas le droit de ne pas répondre. Ils peuvent répondre ce qu'ils veulent, par contre, hein. Ils peuvent jouer au con. Par ailleurs, le gouvernement ne connaît pas, comme je vous le disais, le sujet, toutes les questions à l'avance. Par contre, le gouvernement connaît quelque chose, c'est la liste des gens qui vont poser des questions. Bah, du coup, le gouvernement, il peut aussi préparer des réponses à des questions qu'il anticipe. C'est normal. Là aussi, le gouvernement, il peut préparer des fiches de révision. Vous savez pas quel sujet va tomber, mais ça vous empêche pas de préparer des fiches de révision, hein. Donc les ministres, ils ont un petit tas de fiches comme ça en fonction des sujets. Et puis s'il y a une question qui leur est posée, ils étaient pas au courant, mais ils ont qu'à chercher dans leur fiche. Ah, bah, tiens, hop là, c'est celle-là la fiche. Hop là, je me lève et je réponds en lisant la fiche où j'ai préparé une réponse. Ouais, il y a une perceuse, ça va me faire chier. Hein. S'ils percent toute l'après-midi, ça va m'énerver. 2 dernières informations à vous donner. Les groupes sont libres d'envoyer n'importe quel député du groupe poser une question. Le gouvernement, de son côté, c'est pareil. Il est libre d'envoyer n'importe quel ministre répondre à la question du député. C'est pour ça que vous allez entendre des députés poser une question au ministre machin. J'ai une question à poser au ministre de la Justice. Vous avez été renvoyé devant la Cour de Justice de la République, c'est un scandale, comment pouvez-vous être encore en poste, etc. machin. Et là, vous allez voir que la personne qui répond à cette question, c'est pas le ministre de la Justice. Et vous allez vous dire, mais c'est bizarre, attends, la question a été posée au ministre de la Justice, pourquoi c'est pas lui qui répond ? En fait, le gouvernement est libre d'envoyer quelqu'un d'autre répondre. Ils font ce qu'ils veulent, le gouvernement, ils ont le droit d'envoyer le porte-parole du gouvernement répondre à la question, ils ont le droit d'envoyer le Premier ministre, ils ont le droit d'envoyer qui ils veulent, etc. Après, attention, si tous les députés posent des questions au ministre de la Justice et qu'il répond à aucune question, les députés vont pas être contents.
longtemps. Faut faire gaffe à ça, hein. Il y a un moment, il va quand même falloir y répondre à la question et tu vas pas y couper. Deuxième chose, il y a un usage politique qui veut que lorsqu'une question est posée par un président de groupe, c'est un député pas comme les autres, hein. C'est un député qui représente tous ses collègues du groupe, donc c'est pas n'importe qui. Quand un président de groupe pose une question au Premier ministre, là, le Premier ministre doit lui répondre en personne. On se parle de chef à chef. Quand un chef de groupe prend la peine de poser lui-même une question au chef du gouvernement, le chef du gouvernement n'a pas le droit d'envoyer n'importe qui lui répondre en disant « Non mais tiens, vas-y, réponds-lui, moi j'ai pas envie d'y aller. » Non, non. Donc Elisabeth Borne a l'obligation, alors c'est écrit nulle part, mais c'est un usage politique, qui est que le chef du gouvernement répond au chef de groupe. Donc vous allez entendre Elisabeth Borne répondre lorsque les questions sont posées par des chefs de groupe. Autre exception, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un temps de parole limité. Les députés ont 2 minutes pour poser leurs questions et les membres du gouvernement ont 2 minutes pour y répondre. Il y a une exception à ça, c'est le Premier ministre, qui lui n'a pas de limite de temps de parole. Le Premier ministre, c'est le chef du gouvernement. On estime que s'il a besoin de 4 minutes pour répondre à la question, on lui laisse 4 minutes et il peut parler plus longtemps que les autres. Mais c'est la seule exception. Tous les autres, c'est 2 minutes max. Parce que sinon, on prend du retard. Après, Jean Massier, le streamer, il est fatigué et tout. Donc, c'est quand même un peu bien cadré, hein, comme séance. Mais le Premier ministre, c'est normal. C'est un usage. Autre truc que vous allez avoir, le principe, c'est une question, une réponse. Ma question en 2 minutes, la réponse en 2 minutes. Mais il y a une possibilité pour les députés, s'ils le souhaitent, c'est de ne pas consommer l'intégralité de leur temps de parole de 2 minutes pour poser leur question. Donc, poser leur question en 1 minute 30, par exemple. Et du coup, les 30 secondes de temps qu'ils n'ont pas dépensé, c'est un crédit qu'ils mettent de côté. Le ministre répond à leur question. Et une fois que le ministre a fini de répondre à la question, le député a le droit de consommer ces 30 secondes qu'il avait mis de côté pour faire ce qu'on appelle une réplique, c'est-à-dire pour répondre à la réponse. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs allers-retours ? Non, c'est limité à une seule réplique. Pareil, donc les ministres, si les ministres n'ont pas consommé l'intégralité de leurs 2 minutes, ils ont le droit de répliquer à la réplique. Mais après, ça s'arrête, hein. Il n'y a pas de ping-pong, hein. Bon, je vous ai donné beaucoup d'informations. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous pour qui c'est la première séance. Ça peut vous paraître bizarre. Vous pouvez avoir l'impression que c'est du théâtre, etc. Parce que ça n'est pas la séance des questions au gouvernement, ça n'est pas une conférence de presse. Les députés ne sont pas des journalistes objectifs et neutres qui sont là pour poser des questions un peu naïves en disant que machin. Ils sont là pour faire de la politique, ils sont là pour défendre une opinion, ils sont là pour défendre un programme, ils sont là pour critiquer le gouvernement dans tous les sens du mot critiquer. Les députés sont pas là pour être les premiers de la classe bien sages et à écouter sagement le gouvernement parler. Les députés ont le droit de gueuler, de pas être d'accord, d'applaudir, de se lever parfois pour faire des standing ovations, ils ont le droit de bouder, ils ont le droit de faire des signes de la main, etc. Donc ne vous dites pas tout de suite « Oh, c'est la cour de récré, c'est des gamins », c'est plus compliqué. Que ça. Par contre, je vais fumer la gueule au mec qui est en train d'utiliser sa perceuse. Pourquoi c'est intéressant de regarder la séance des questions au gouvernement ? Parce que, par-delà l'aspect théâtral du truc, où vous allez voir des célébrités prendre la parole, gueuler, Marine Le Pen, Mathilde Panot, etc., des ministres, premiers ministres, etc., il faut bien que vous compreniez que c'est une séance de contrôle de l'action du gouvernement, donc les questions qui sont posées par les députés sont posées en notre nom à tous, au nom des électeurs de chacun des groupes et de chacun des partis. Ça sert à forcer le gouvernement à s'expliquer. Le gouvernement doit s'expliquer. Le gouvernement ne peut pas faire des trucs en loose day sans jamais avoir à répondre à qui que ce soit. La séance des questions au gouvernement, c'est un moment où les ministres sont comptables de leur action. Donc parfois, vous pouvez avoir l'impression que ça sert à rien, mais du coup, mais je comprends pas, ils votent pas, mais du coup, etc. Peu importe. Le fait est que les ministres doivent s'expliquer sur leur action, sur leur inaction, sur leurs résultats, sur leurs bons ou leurs mauvais résultats, etc. Donc, regardez cette séance avec la curiosité de « Tiens, c'est intéressant, il dit ça. Tiens, le gouvernement, il est bien embêté de répondre à cette question, il aurait préféré qu'on la lui pose pas, etc. » Ok ?